Salut, salut. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau challenge make-up. Donc, il y a pas mal de challenges que vous m'avez demandé de faire, donc, et pas mal que j'ai imaginé. J'aime bien me compliquer la vie, hein, on est d'accord. Donc, du coup, je vais alterner un peu avec ceux que vous, qui existent et que vous m'avez demandé et ceux que j'ai l'idée. Voilà, voilà. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est le challenge des pinceaux opposés. Pinceaux inversés. Ouais, on va l'appeler pinceau inversé plutôt. Et en fait, je vais devoir me maquiller dans l'ordre habituel, mais avec l'ordre inverse des pinceaux que j'utilise habituellement. Pourquoi j'ai des idées pareilles? Je sais pas. Faut pas être dans ma tête parfois. Donc là, je vais mettre mes petites oreilles déjà pour commencer parce que j'ai même pas plaqué mes sourcils, hein, que je fais normalement avec un goupillon. Donc là, je vais mettre mes petites oreilles, me rapprocher un tantinet quand même et rapprocher mon miroir. Et puis, on va commencer le carnage tout de suite. Voilà, vous risquez de voir un petit peu mon miroir, mais tant pis. On fera comme ça. Hein. Donc, premier truc que je fais avant toute chose, c'est plaquer mes sourcils avec, pour l'instant j'utilise ce produit, mais j'ai vraiment hâte de retourner à mon savon, hein, je vous l'ai déjà dit blindé de fois. Et le tout dernier pinceau que j'utilise, bien sûr je sauterai les étapes où j'utilise pas de pinceau, hein, c'est pour mon coin interne et j'utilise très souvent les petits langues de chat comme ça. Voilà, quand je vous dis que j'ai envie de me pourrir la vie. Donc je vais plaquer mes sourcils avec le même produit que d'habitude, mais avec un pinceau, le dernier pinceau que j'utilise dans ma routine make-up. Ça va être beau, magnifique. Puis pour bien les définir, ça va être canon aussi. Mais je pense pas que ce soit la pire étape quand même. Et, quoique, le rendu va être un peu caca. Hein. Oh, quoique. Aussi, ça va faire des trous. Oh. Ouh, ça va être beau. Magnifique. Splendide. Bon, oh, ça va encore. Bon, après, ça comble pas vraiment les trous et ça plaque pas vraiment bien. Enfin, si, plaquer, oui, mais pas définir, quoi. On va dire ça. Bon. On va pas trop s'agirner, hein. De toute façon, ça changera pas grand-chose. Pour celui-ci, avec les épis, il va être totalement affreux. Ça fait des jolis trous. Allez, et puis cet épi là pour le mettre en place sans goupillon, ça va être chouette. Bon, écoutez, hein, on peut pas faire pire. Hein. Donc ensuite, je mets ma base, mon fond de teint et mon anti-cerne. Ça, je fais avec mes mains et mes éponges. Donc je reviens quand ça c'est fait. Ok, une fois que mon fond de teint et mon anti-cerne sont appliqués, je poudre. Donc là, j'utilise la petite poudre que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent Essence. J'ai crash testé tous mes calendriers de l'Avent. Je vous le remets juste ici. Alors, j'utilise normalement un pinceau pour poudrer mon dessous d'œil et le reste à la houppette. Et l'avant-dernier pinceau que j'utilise en règle générale, c'est en principe le pinceau plat pour mettre ma couleur ou mon doigt, mais bon, là on va faire le pinceau. Donc j'ai poudré ça avec un petit pinceau plat. Ça va extrêmement bien poudrer, on est d'accord. Après je repasse toujours un coup avec la houppette, hein, donc ça va. Je poudre d'abord au pinceau pour bien figer en fait, qu'il ne file pas trop dans les plis. Ah, c'est pas gagné, hein. Ça risque d'être un carnage total. Magnifique. Ensuite, je passe à ma houppette pour poudrer le reste du teint. Et à ce moment-là, je balaye l'excédent. Et pour bien éparpiller la matière, enfin la poudre, je prends un gros pinceau poudre. Mais le pinceau que j'utilise en sens inverse, à ce moment-là, c'est un petit pinceau boule que normalement j'utilise pour dégrader, enfin mettre une couleur de transition de mon creux. Donc on va blender le visage avec ça. Autant vous dire que je vous retrouve dans 3-4 heures. Ça va aller vite. Je crois que la vidéo va durer 6 ans. Enfin, peut-être pas 6 ans, mais
au moins 2h47. Voilà. Ça va faire plus de traces qu'autre chose, hein, mais bon. Voilà pour le blindage de poudre. Hein. On va pas trop insister non plus, ça change pas grand-chose avec ce petit pinceau. Donc, une fois que j'en suis là, je fais mon contouring. Donc, vous savez que c'est plus pour ombrer qu'autre chose, réchauffer mon teint. Donc, j'utilise un très gros pinceau. Et une fois que j'ai fait, que j'ai mis ma couleur de transition, ce que je fais, j'estompe avec un pinceau estompeur propre. Dans ce genre-là. Là, je vais devoir faire mon contouring avec ça. Donc, il y a pire. Je pense que c'est pas la pire étape. Donc, on y va. Ça va être bien diffus, bien blendé et tout. Oh, ça va encore. Oh, c'est pas la pire étape du tout. Du tout, du tout, du tout. Bon, il sera bien marqué, pas très, très, très diffus, mais ça va encore. Il y a pire. Et je pense que le pire est à venir. On blende hein, au maximum, on essaye du moins. Les tempes, ça va, c'est pas le pire. On s'en sort. C'est un peu plus long, un peu moins diffus, mais ça va. Hmm, qu'est-ce que vous en pensez? Ça va, hein, il y a pire. Beaucoup pire. Ovale du visage. Le double menton, ça va. Ça va, ça va. Les arêtes du nez, alors là, ça va être bien marqué aussi. On va essayer de blender au maximum. Hein. Donc là, je reprends normalement mon pinceau estompeur pour bien diffuser la matière. Mais comme le pinceau estompeur, là, il est plus petit que l'autre. Ça va pas diffuser des masses, hein. Et on estompe. Si on peut appeler ça estomper, ma foi. Voilà. Donc ensuite, c'est l'étape où je mets le blush. Avec un pinceau biseauté ou un pinceau poule, ça dépend ce qui est propre. Et l'étape avant. Donc, normalement, je fais mon creux, mon coin externe et mon ratil avec un 231. Et là, je vais devoir appliquer mon blush avec. Ça va être encore bien diffus. Bien, mais bien. Oh oui, ça fait pas du tout de traces et de démarcation. On est d'accord. Ça se fond hyper bien et tout. Magnifique. Splendide. Donc les produits que j'utilise, c'est ceux de ma rotation. Hein. Je vous le remets dans le petit et tout est listé en barre d'infos de toute façon. Oh, magnifique. Mais on va arranger tout ça avec un coup d'estompeur. Ben oui. On blend, n'est-ce pas? Pendant 15 ans, plus ou moins. Surtout ici, c'est pas du tout marqué. Non, ça va, très bien, tout va bien. Ah ouais, c'est vachement bien diffus et tout, très naturel. N'est-ce pas? Magnifique. Voilà, alors, là c'est l'étape où je fixe mon teint. Je fais mes sourcils, je fixe mon teint, je nettoie mes paupières, je mets ma base et je reviens. Je me suis rapprochée encore un peu, comme ça vous voyez encore mieux le carnage. Voilà, voilà. Alors, normalement, maintenant, c'est l'étape de l'highlighter. Donc là, je vais utiliser le Moonstone de chez Becca, que je mets d'habitude avec un pinceau highlighter. Mais dans l'ordre inverse, j'utilise celui que j'utilise normalement pour blender ma base. Donc ça va être encore hyper discret, quoi.
Après, ça, avec celui-ci, ça peut encore aller. Je pense que c'est pas le pire. Ouais, on va pas en mettre de trop, quoi, c'est tout. Histoire qu'on voit pas trop les démarcations. Sinon, ça va, il y a pire. Voilà pour l'highlighter. J'ai envie de vous dire, on n'est pas trop mal. Alors, pour mes yeux, je vais utiliser cette palette. Je vous ai fait le swatch and make-up ici. Je vous remets juste, enfin, je vous l'ai fait, je vous remets juste ici. Donc, je vais commencer par poudrer mon arc cadre avec la teinte, je sais pas lire, dense. Enfin, la beige ici, quoi. Et là, le pinceau, c'est le même. Donc, ça va. Bon, il est vraiment un peu jaune, hein, quand même. Mais bon, de toute façon, ça va pas être le make-up le plus joli du monde, donc... un peu plus ou un peu moins, c'est pas très grave, hein. Et avant de commencer mes yeux, je reblend toujours ma base avec le pinceau que j'ai utilisé pour l'highlighter juste avant. Là, c'est le pinceau highlighter. Donc on va blender avec ça. Ça va super bien blender, faut dire ce qui est. Donc maintenant, ça va être le carnage total. Bon, ça va blender un petit peu. On dira que c'est bon. Donc je commence toujours par mon coin externe, creux et ras de cils, avec mon 231, enfin ou un pinceau boule. Là, je vais devoir utiliser celui du bronzer. Magnifique. Donc j'ai commencé avec la teinte Sorcery, je vais aller dans les mauves, hein. On ne va pas trop en faire non plus. Vous voyez, on va prendre des couleurs très discrètes, qui se travaillent super bien. Alors je vais essayer de pincer quand même un minimum. Hein. Alors, on met dans le creux. Oh là là, quel carnage. Dans le coin externe, dans le creux. Ce qui est bien, c'est que ça fait pas des taches du tout. Alors, pas du tout, du tout. On va en remettre un peu plus, hein. C'est pas assez voyant. Là, on est bien là. On est très bien là. Pas de tâche du tout, pas du tout. Ras-de-cils. Et la moitié du nez. Non, ça va encore. Ok. L'autre côté hein, maintenant. Magnifique. Mais splendide. Donc ensuite, je mets une couleur de transition pour estomper celle-là. Donc je vais prendre la teinte ici, Enchanted. Pour estomper ça de manière très naturelle. Et discrète. Ça va pas bien. Ça prélève pas assez de matière. Bon, on dira que ça sert d'estompeur aussi. Hein. On va pas trop en demander là, parce que c'est compliqué. Very compliqué. C'est vraiment très joli. Hein. Ensuite, j'accentue mon coin externe avec un pinceau boule plus précis. Et là, je vais devoir le faire avec mon pinceau poudre. Oh. Donc, je vais prendre la teinte Voodoo. Ça va être nickel. Nickel. Je vais essayer de faire une petite pointe. Voilà, ça déborde pas du tout. C'est très bien. Magnifique. Toujours pas de tâches, très précis. Oh oui, oh là là, magnifique. Un petit peu sur le coin externe du ras de cils pour faire un raccord. Magnifique.
On reprend le premier pinceau pour blender très légèrement la démarcation. Ensuite, j'utilise mon pinceau plat pour, ou mon doigt, hein, mais là, on va le faire au pinceau plat, hein, pour mettre du fard irisé. Et là, je vais devoir le faire avec celui que j'utilise pour poudrer mon anti-cerne avec la teinte Charmed. Allez, soyons fous, mais ça prélève pas bien. Bon, ça va, ça prélève. Sois un peu précise. Non, mais tu n'y mets pas du tien. C'est pas bien. Je ne fais aucun effort. Voilà. Ensuite, on reprend le petit pinceau boule précision pour blender les deux teintes entre elles. Pour éviter les démarcations, hein, sinon c'est pas joli. Hein. Et je termine par mon coin interne, donc avec un goupillon. Et je vais mettre la teinte Alchimie. Donc j'ai pas envie de l'abîmer par contre. On va faire ça dans un petit coin. Hein. On va y aller en tapotant, hein, parce que si je frotte, je vais me défoncer l'œil. Voilà. On va pas mettre de trop parce que ça va abîmer le fard. Et voilà pour ce sublime make-up des yeux. On est ravis. Magnifique mâchoire. Donc là, je vais mettre du crayon noir, un petit peu de mascara, pas trop d'en faux, je fais même pas de liner. Un petit truc sur mes lèvres. Et je reviens vous remontrer ce grand make-up de qualité. Donc voilà ce qui conclut ce magnifique make-up de toute beauté. Non, je rigole, hein, j'ai pas de tache du tout, j'ai pas débordé du tout. Mon teint est... Bah, le teint, ça va encore. Quoique, non, ici, ça va pas du tout, mais j'irai. Ici, c'est bien démarqué et tout, pas assez blendé. Ici, à peu près, peut-être, quand même, non? Je sais pas, je suis pas convaincue. En tout cas, le rouge à lèvres, ça va. Donc, sur mes cils, j'ai mis ce combo-là habituel, hein, du moment. Et sur mes lèvres, j'ai mis mon petit rouge à lèvres baume, là, de chez Guerlain, qui est le 011. Voilà. Bah, écoutez. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager. Je ne sais pas. Pour... Voilà. C'était presque réussi, quand même. Presque réussi, on va dire. Si vous voulez reproduire ce challenge, surtout, n'hésitez pas à me taguer pour que je puisse aller voir vos vidéos, mettre un petit like et un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir de voir les challenges tourner quand les bonnes personnes sont mentionnées, hein, quand on ne s'attribue pas les mérites non plus. Voilà, voilà. N'oubliez pas de vous abonner si vous venez de tomber sur cette chaîne par hasard. C'est gratuit, ça fait super plaisir et ça m'encourage vraiment beaucoup, donc on est content. On se retrouve demain pour le weekly vlog. Et en attendant, moi je vous dis bisous bisous.